Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur Binding of Isaac Rebirth. Donc je ne sais pas si ce sera un véritable let's play, en tout cas j'essaierai de faire le maximum de vidéos dessus parce que je compte bien le finir en 100% en vidéo ou hors vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi ça va bien. The Binding of Isaac Rebirth est un jeu qui est développé par Canalys et qui n'est pas édité par n'importe quoi. Il est pas édité tout simplement, c'est un jeu indépendant de base qui est fait par Edmund Macmillan, un jeu excellent, le premier et le deuxième aussi. Vu que j'ai fait quelques parties déjà, certes je ne suis pas très fort vu que j'avais certes fini le premier à 100% mais ça faisait un moment, donc on va tout de suite commencer une nouvelle partie et on va tout de suite commencer avec une nouvelle run. Avec Isaac, en normal bien entendu. Donc, je ne suis vraiment pas très fort, je sais pas si je vais réussir, si je vais gagner, etc. Oh! Nice. Ça j'aime. J'avais déjà eu cet objet, mais... voilà, j'avais encore... Enfin, voilà quoi. Très utile pour ça, par exemple, déjà. Ouais, donc j'espère que vous avez bien coupé la forme, que le son est bon, etc. Voilà, par contre il me faut plus de dégâts. Ça c'est les anciens. Ça c'est des anciens ennemis, ils étaient déjà dans le précédent. Oula. Donc désolé si vous entendez mon clavier, je. Ouh, première fois que je les vois. C'est chaud de les cibler. Vu que c'est moi qui la dirige avec... Allez. Voilà. Bon, je me suis déjà fait toucher. Mais c'est pas grave. Est-ce que je vais récupérer ça? Voilà. On va utiliser une bombe ici pour la salle secrète si je m'abuse. Eh ben, je me suis trompé. C'est pas grave. Monstro. Ah bah ça fait quand même assez mal. Première fois que. Enfin la première partie que j'ai réussi à finir, parce que j'ai fait que 3 parties, j'ai réussi à en finir qu'une hein, pour me retraîner. Oh flûte, j'aurais pas dû parler. Bah j'ai fini avec cet objet d'ailleurs. Sauf que il était en feu parce que j'avais des tirs enflammés. Donc ça faisait encore un peu plus mal. Mais bon, ouais. Premier boss tombé. Nice, ça augmente la vitesse de mon tir aussi. Donc on va tenter comme ça, on va voir si ça vous plaît. Bon, en tout cas, moi ça me dérange pas de le faire. De toute façon, c'est soit en vidéo, soit hors vidéo. Donc. Je préfère faire quelques vidéos comme ça fait un peu plus de contenu. Un peu plus de contenu différent. Je sais pas quoi, tous les combien de temps je mettrai une vidéo de Binding of Isaac, sûrement une tous les deux jours. Oh, ça c'est une grande salle. Première fois que je vois une salle de cette taille là. Voilà. On prend tout ça. Donc là c'est vraiment une nouvelle partie, hein. J'ai juste eu quelques petits succès que vous ne verrez pas. Hein. Enfin des succès Steam, hein, vous les verrez quand même dans le jeu. Il faudrait quand même un peu plus de dégâts là. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop mon clavier, hein. Ce serait dommage. J'essaie de régler le son pour voir si vous entendez pas trop. Bon, c'est simple. Hein. Alors, je suis. Oh. Je suis pas sûr ici, mais espérons. Nice. Oh. Très très bien. La tête de Max, je crois. Allez. Désolé, j'ai un peu les doigts gelés, il fait un peu froid ces temps-ci, donc j'ai un peu du mal à bouger avec les flèches et j'ai un peu mal à la main aussi, je crois que j'ai une tendinite, mais c'est pas grave. Il
Ici, il y a encore un autre rocher. Je crois que c'est les rochers bleus, ça. Ouais, ouais, ça, c'est les rochers bleus. Ils sont juste un tout petit peu plus bleus, mais on le voit pas trop, mais c'est pas grave. Alors, il me faut la salle, là. La salle au coffre. Lâche que des grandes bombes, ceux-là, d'accord. Oh, nouvel objet. Je connais pas. Ah, si ça augmente mes dégâts, ah, ce serait trop bien. Waouh. Première fois que je vois ça. Cette mouche. Bon. Comme on a 10 pièces exactement, on va les donner à la machine. Voilà, pour débloquer la Blue Map. Qui je ne sais pas quel effet encore. Hein. Nous le verrons bien quand on la droppera. Oh! Basement boy! Ça veut dire que je me suis pas fait toucher au basement. Si, mais je me suis fait toucher pourtant. Oh, all bandage. Je prends. Lord of the Pit. Demon's Wing. Il ne reste que pique de cœur, mais c'est suffisant. C'est largement suffisant. Dead Cat. On prend le Dead Cat, tiens. Comme ça, on a encore plus de chances de gagner. Bah, vous voyez, là, je viens de débloquer encore plein de succès. Voilà. Alors, ici. Tiens, ça donne. Ah, chute. Flûte, pardon. Alors, ça. Oh. Unbreakable. Ah, oui, c'est quand je bouge pas. Quand je bouge pas, je deviens invincible. Nice. J'espère pouvoir faire 3 pactes dans cette partie au moins. 3 pactes avec le diable. Voilà. Comme ça, ça me permettra de débloquer un nouveau personnage. N'importe quoi là. Il faudrait que je pense à utiliser la tête de Max. Hein. Oula, Max est en anglais, bien entendu. Hein. Voilà. On va voir ici. Ah, une gold de cri. Ok. Allez, arrête de bouger. Allez, 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 voilà. Ne touche pas à toi. Voilà. J'ai perdu des cœurs là, non? Enfin, j'ai perdu un cœur, normalement j'étais pas censé le perdre celui-là. Nice. Non, on va aller le prendre ça. Là, il notait quoi? Trickle charge. Bon, allez, on va prendre ça quand même. Par là et voilà. What? Ah, j'avais pas vu celui-là, putain. Oh, pardon, excusez-moi. Faudrait vraiment que je fasse plus attention là, comme je suis sur un assez grand écran. Bon, go.
On va se le faire, un chob. Il me faut plus de dégâts là, ça va pas. Ok, bon bah go. On va aller par ici. Oh nice! Faut pas que je meure par contre. Ce serait bête. Hein. Got ahead, he accept your offering. Ça me donne des dégâts, non, toujours pas. Oh, nouveau, ceux-là, je les ai jamais vus. Ah, il me faut une clé. J'avais pas prévu ça. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ouh là 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 là. Je pense que c'est chiant ceux-là quand même. Ah, non, bon, dis. Désolé si mon clavier est bruyant, vraiment. Donc désolé d'ailleurs pour ces derniers jours où il n'y a pas eu trop de vidéos, c'est parce que j'ai dû réinitialiser, enfin j'ai réinstallé mon ordinateur. Donc ça m'a pris un peu de temps et qu'est-ce qu'il y a aussi, ouais, ma connexion commence un peu à devenir un peu bizarre, on va dire. Ah, une clé. Youhou. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Ok. Pourquoi pas? Oh là là! Tu te calmes, hein? Parce que j'ai l'impression qu'il est one shot cela. Alors. Par là. Balls of steel. Vraiment pas de dégâts là, ça devient un peu, peu chiant, je vais galérer pour battre le boss, mais on va faire de l'autre mieux. Non, oh, merci pour la zone secrète. Oh, speed up. Ici comme ça ils peuvent pas me toucher. T'as le bruit qu'ils font, c'est n'importe quoi. Allez. 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 Allez, allez. Allez. Prenez son temps, hein, lui, hein.
Déjà tue-le avant de tuer les araignées. Voilà. Le boss, ok. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé un peu de sel, on va retourner en arrière. Je veux louper le moins d'objets possible. J'en suis à quoi? Attendez, cafetio, ok. Bizarre ce truc. On va encore donner à la machine. Ah, ok, elle est broken. Attendez, je réponds. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je lui envoie juste un message. Ah, et bien sûr, je perds encore mes bombes, on va faire ça. Ouais. Glutioni. C'est OP ça. Et voilà, la puissance de l'invincibilité. J'aurais bien préféré garder ma carte pour après, mais bon, je fais n'importe quoi donc bon. Goldie. Calmez lui, Gurdy, là, tu vas te calmer. Arrête tes invoques. C'est juste long, mais sinon c'est pas trop dur. Bah alors on ne touche pas, Gurdy. Bah pas chou. Sinon ça va, tranquille, pas de problème. Voilà. Il faut lui dégager. Ah, ça tend. Nice. Ah non, merde, c'est vrai, j'ai zappé. J'avais zappé ce bordel. Y'a pas une machine ici? Ah non, bordel. Ah là, la flûte. Bon, c'est pas grave. Go. En fait, Curse of Babylon, c'est pour... c'est quand il nous reste un demi-cœur, on se transforme et on a plus de dégâts. Ah, j'aurais jamais dû tenter ça, je vais mourir. Non, c'est bon, je suis encore en vie. Il faut que j'arrive à un demi-cœur, mais il faut pas qu'il me reste un demi-cœur, quoi, ce serait bête. Alors. Donc là, il nous reste deux étages avant de... d'affronter Mom. Et donc, et avoir la première fin du jeu.
Je trouve franchement cet objet pété, mais il faut savoir faire deux choses à la fois, bouger en même temps, bouger ça. La tour. Des dégâts s'il vous plaît. Aïe. Je pensais pas qu'il pouvait me taper jusque là. Alors. Ça c'est bon. Ça c'est la tête des chevaliers qui étaient dans le 1, les chevaliers où il fallait attaquer que derrière. Maintenant il y a leur tête aussi. Enfin leur tête c'est pareil. Non. Est-ce que je vais réussir pour la première game? Telle est la question. N'hésitez pas à me dire des conseils hein, dans les commentaires de la vidéo. Allez. Voilà. Alors là, ça c'est lui, celui-là, il avait l'air chaud, hein. J'ai bien fait d'utiliser une bombe. Bon, ça va, ça tire pas un peu de partout là. On se calme les amis. Bon, voilà. Au moins ça c'est fait. On vitra plus avec. Ici peut-être la salle secrète. Nice. Ah, il n'y a rien donné cette fois-ci. Attendez, je vais faire exploser ça. Est-ce que j'ai... non, j'ai pas. Si je fais exploser ça. Ah non, le full heals. Lemon Patchy. Et ça, est-ce que j'ai quelque chose? Une pilule et une pilule Boss of Steel. Lazarus, nice. Nouveau personnage. Si j'ai eu chaud ou si c'était un bug, mais faudrait que je trouve une machine de du sang, du don de sang. Ok, full heal. Ok, que dalle là. Ah, j'avais toujours pas eu l'objet, j'avais pas remarqué. Oh, les jeunes. ici y a plus rien. On monte. Allez, une machine de don du sang, s'il vous plaît. Ce serait bien gentil de votre part. Ah non, y a pas. Dommage. Ah, c'est pas fini, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. J'avais oublié qu'il restait un level. Oula, il y en a beaucoup des monstres là. Encore plus que prévu en tout cas. Et le dernier. Bye. Oh, du dégât enfin. Non, je prends juste ces cœurs là. J'éteins ce feu. Ah, je suis à 3 de dégâts. Enfin des dégâts. C'est pas trop tôt. Ah bah non, 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 je sais.
Et en plus, je débloque Azazel. Et là, non. Ah non, je suis pas en... Ah ouais, non. Je suis pas en War of Babylon, on dirait. C'est pas grave. C'est parti pour la salle du boss. Là, j'ai du dégât. Si je veux, là, je peux... Voilà, non, je vais pas passer à l'étage suivant. Hein. Je peux y aller quand même. Bah alors, on sait pas quoi faire. Là, normalement, je vais la défoncer, même. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, là c'est juste rush et puis c'est tout quoi. Oh! Nice! Bon, au moins vous voyez quelques boss supplémentaires. Hein. Mais n'empêche, l'objet que je viens d'avoir, il est cheaté quoi. Réduit les dégâts subis. Un boss encore. Ah non, il n'y a que deux boss. Franchement, c'est... J'ai de la chance dans cette run, hein, je peux vous le dire. C'est la première fois que j'ai autant de chance sur celui-ci. Hein. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de games aussi, mais enfin, j'ai pas fait beaucoup de parties, vu que c'est pas vraiment des games. Oh! Ferium. Nice. Première fois que je l'ai. Non, je peux pas. Si je fais ça, je suis mort. Allez hop là, on meurt. Pas trop facile mais bon. Pas trop difficile non plus. Alors il y a la salle du boss mais non c'est pas intéressant tout de suite. On va aller faire un petit tour déjà. Bon oui allez. Toujours pas Kane d'ailleurs. Cheers down, full heal. C'est bien mettre un full heal mais quand on n'a pas de vie, c'est un peu plus inutile là. Oh. Ok, des araignées, et puis c'est tout. Il y avait une salle juste au-dessus, j'ai vu. Ok. Juste là. Voilà. Mon personnage est très effrayant. Hein. Ah, il y a une salle là-bas, on va y aller. Oh! Première fois que je le vois. Il arrive. Le voilà. On va aller dans cette salle. Et voilà, on va finir. Hein.
Il nous manquait un objet de Guppy pour pouvoir passer en Guppy. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on aura une autre chance. Lors d'une autre run. Allez, je vais essayer de pas me faire toucher. Et c'est là que j'ai dit ça, je vais me faire toucher. Vous allez voir, comme d'hab. Ah et voilà, je m'en doutais. Je l'ai vu venir. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Et voilà, donc nous avons fini une première fois le jeu. A Cube of Meat. Donc je pense qu'à partir de la prochaine vidéo, nous ferons les challenges. Dans l'ordre. Du 1 jusqu'au... Enfin, ceux qu'on a débloqués. Enfin, le 20, je pense qu'on prendra un petit moment plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne si celle-ci vous a plu.